Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui je vais vous proposer de faire cette carte, ce tag. Vous l'utilisez comme vous voulez. C'est du à peu près 100% action dans ce que nous allons faire. Parce que bon, là je l'ai déjà fait, je ne l'ai pas filmé. Je vais en refaire donc une avec vous. Donc, c'est dans les derniers dice de chez Action, les Slim. Et je vous parle de celui-là avec les trois petites fenêtres. Voilà. Ça, vous voyez à peu près. Avec, il y avait une magnifique libellule, papillon, coccinelle. Moi, ce que je voulais, c'était surtout la base. Parce que on peut en faire quelque chose de très sympathique. Voilà. Donc c'est tout dans le même ton, c'est voulu, mais on peut varier les plaisirs, évidemment. Derrière, vous y mettez ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre, voilà, par exemple, c'est pour la bonne année 2023. Par exemple, pour chaque fois qu'on ouvre une petite fenêtre, on découvre bonne année 2023, par exemple. Donc c'est parti. Il va nous falloir la découpe de ceci. Moi j'ai choisi de le faire dans un de mes papiers patouille que j'ai fait à la gel presse avec un pochoir et j'ai donc récupéré, voilà ce que ça donne. Donc pour l'instant il n'est pas plié, il n'est pas marqué, il n'est rien du tout, je le laisse tel que. Ensuite on va utiliser ce tampon avec les fleurs et les papillons. Mais ceux-là, ils sont plus jolis. Que j'ai mis sur ma plaque parce que il faut une grande plaque et je n'ai que ça pour me servir. Donc, j'ai pris le modèle, j'ai disposé mes petits tampons de façon à ce que lorsque je vais venir tamponner, ça rentre dans mes fenêtres. Ma plaque de ma machine de découpe et ça fait l'affaire. Il nous faudra l'encre à embosser et de la poudre à embosser. Enfin, déjà dans un premier temps, on va venir tamponner et embosser à chaud notre petite scène avec la fleur et les papillons. Si vous n'avez pas de poudre à embosser, vous faites un tamponnage classique. Hein. C'est parce que c'est un papier foncé, donc je voulais que ça ressorte. Allez, hop, je chauffe. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais coller ça là où je veux. Je mets sous mon tapis en attendant pour que ça colle. Je vais refaire la découpe juste de mes fenêtres là pour pouvoir les embosser. Mais cette fois dans un classeur de gaufrage. Alors j'ai redécoupé juste là où je voulais les fenêtres. Je vais venir carrément tout découper. Voilà. Et je n'ai plus que les petites fenêtres. Je passe ça dans un classeur de gaufrage. Je vais mettre un petit peu de patine. De quel côté je vais mettre la patine? Je viens juste frotter comme ça sans vouloir en mettre partout. Juste que l'on distingue le motif que je viens d'embosser. Si vous n'avez pas de patine, vous pouvez utiliser les peintures
acrylique, les peintures métalliques, pardon, de chez Action. Vous avez aussi les pastels métalliques. Ça fait tout aussi bien l'affaire. Hein. Donc voilà, j'ai passé un peu ça à la bâtine. Et maintenant, je vais venir découper. Alors moi, je le fais avec le repère de ma guillotine, mais vous faites un matage tout simplement. Alors après, ça c'est vous qui voyez. Moi, je me mets en repère le long de ma réglette. J'ajuste ma découpe et ça me fait mon matage. Vous dire de combien il est, je ne sais pas. Ah bah oui, mais c'est comme ça que je travaille, moi. Parce que moi, les 10,02, 10,03 ou 10,07, comment vous dire que ça m'embête un peu. Donc là, au moins, c'est tout à la même mesure. Fait notre petite carte et donc quand on ouvre on découvre la petite scène en dessous. Petite carte aussi sympathique, autre circonstance, pourquoi pas pour la fête des mères. Bonne fête maman, ou la fête des pères, ou la fête des amoureux, ou ce que vous voulez. Vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière comme sentiment, comme message, comme dessin, comme tamponnage, à vous de voir. Pour casser un peu tout ce marron et ce sombre, je vais, moi, avec ma machine, non, je ne vais pas faire la machine, je vais le faire au crayon. Où est-ce que ça m'énerve, les stylos qui ne fonctionnent pas comme il faut. Voilà, tout autour, je viens faire des petits tirés pour faire un effet fausse couture. Et voilà, on a fait notre carte. Donc j'ai fait un tour de patine autour des petites fenêtres, autour de ma carte. Et quand on ouvre, voilà ce que l'on a. Alors, je peux le faire aussi de ce côté-là pour finir. Je le ferai après. Comme ça, tout est bien fini. Ça fait plus joli. Donc voilà ma petite carte. Je viendrai refaire un petit coup de patine tout autour, histoire que ça fasse plus fini, on va dire, plus sympa. Et puis voilà. On peut éventuellement, je vais peut-être venir y coller une petite étiquette, quelque chose comme ça. Je vous mettrai la photo à la fin de ce que j'aurais décidé de finir pour améliorer la carte. La déco, c'est propre à chacun. Moi, je vous donne, voilà, quelques petites orientations, mais je ne vous dis pas tout. Eh bien, à vos découpes, mesdames. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye.